Bonjour. Que Dieu te bénisse. Je vais te dire aujourd'hui que l'homme est un monstre. Voilà, tu vas te poser la question, mais pourquoi dirais-je que l'homme est un monstre? Je vais te dire que l'homme est un monstre. Au fait, Dieu a créé l'homme parfait. Dieu nous a créés parfaits. Mais il y a le comportement de monstre qui rentre dans la vie de l'homme. Et vous voyez, celui qui est faible en esprit se laisse dominer par ce côté monstre. Dieu a créé l'homme parfait. Mais dans le développement dans la pensée, dans le développement de l'homme, vous voyez que cette même personne ne peut pas dominer sur le péché. Et ils deviennent des monstres. Raison pour laquelle je dis l'homme est un monstre. Voilà. Et je vais te dire, je m'en vais te dire que à la seconde là, quelqu'un peut se réjouir de toi. Mais à une autre seconde, je ne dis pas minute, hein, tout peut chambouler. L'homme est un monstre. L'homme est un monstre. Le monstre habite en chacun de nous. Domine sur ce côté monstre qui est le péché. Domine, domine. Vous voyez, Abel et Caïn étaient des frères. Et Dieu a dit à Caïn, le péché se trouve devant ta porte, devant ton cœur, dans ton cœur. Domine sur le péché. Mais qu'est-ce que Caïn a fait? Caïn n'a pas pu dominer sur le péché, il a tué son frère Abel. Donc je vais te dire, l'homme est un monstre. L'homme est un monstre. Domine sur ce côté monstre afin que tu sois libéré. Amen. Au revoir, c'est votre servante Moyer. L'homme est un monstre.